Coucou petit panda, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du manga Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka de Tanazo no Soishi des éditions Akata. Nous sommes sur un manga qui date de 2014 au Japon et de février 2016 en France. Donc c'est un one shot et c'est un seinen dans le genre social et tranche de vie. Et âge conseillé 14 ans et plus, et je suis d'accord, je trouve qu'il n'est pas forcément à mettre dans les mains des plus jeunes. Par contre, je vais juste dire un truc, je pense que ce manga... Non, je le dirai après. Donc, on va parler des couvertures. Donc, moi, personnellement, je l'adore parce que voilà, elle est très très simple et ça correspond énormément au manga. Donc, par contre, on a droit à un petit bandeau donc, qui nous dit que... émouvante histoire vraie d'un enfant déscolarisé recommandé par l'auteur, donc Akira Toriyama, qui est l'auteur de Dragon Ball Z. Voilà, on a un petit bandeau derrière qui nous parle de deux autres mangas des éditions Akata. Donc c'est le manga Les Pommes Miracles et Je reviendrai vous voir. Et ce sont deux mangas, je le dis tout simplement, parce que c'est deux mangas que je compte lire maximum avant août. Donc voilà, tout simplement. Donc après on est sur un manga, voilà. Par contre c'est un gros pavé, il y a presque 300 pages je crois. Donc j'ai mis 3 jours par contre à le lire, je tiens à le dire tant qu'à faire. Donc là ce que j'aime beaucoup c'est que voilà, donc le personnage, l'héros dessine du coup beaucoup de Dragon Ball Z. Donc on a un des dessins qu'on revoit dans l'histoire, donc c'est plutôt sympa. Par contre en ce qui concerne la couverture, voilà, pour ce côté là c'est exactement pareil sauf qu'il n'y a pas le titre. En ce qui concerne l'arrière, je préfère justement cette version-là parce que forcément ils ont dû censurer, enfin enlever l'image pour pouvoir mettre le résumé, que ce soit pas deux trucs l'un sur l'autre. Et donc là on retrouve en fait tout simplement l'homme en noir qui est la personne, la chose que voit le héros dans ses cauchemars. Donc je trouve ça sympa quand même de le retrouver derrière, voilà. Par contre moi il y a un seul truc que j'ai jamais compris et il faudrait que je demande aux éditions Akata. Là à chaque fois il y a soit un M soit un L. Et je sais pas pourquoi, et ça me perturbe. Et ça... Je sais pas, à chaque fois que je vois ça, je suis là. C'est quoi M, c'est quoi L? Faudra que je leur demande, tiens. Par contre, ce que j'aime beaucoup... Voilà, c'est qu'on a ici encore le fameux homme en noir. Mais surtout, on a une liste de mangas des éditions Akata. Et comme ils en ont pas encore beaucoup, je trouve ça sympa d'avoir la liste. Bien que si ouais, on a quelques petits trucs, c'est plutôt sympa quand même la façon dont c'est présenté. Ils nous disent par exemple qu'il y a le manga Orange qui est en 5 tomes, donc direct on sait qu'il est en 5 tomes. On a deux séries, ils nous disent bien qu'elles sont encore en cours. Mes années 80 de Sean Chuang qui est en 2 tomes, donc ça j'aime bien. Par contre on nous dit à chaque fois le nombre de tomes, etc. Donc j'aime bien, et en plus là on a encore le dessin des dessins du gamin. Voilà, désolé, je bug un peu. Donc, pour ce qui est du résumé, par contre, je ne vais pas le dire tout simplement parce que ce sera mieux pour tout le monde qu'il soit mis en barre d'infos. Par contre, je vais te lire juste la partie... J'ai pas rendu correctement la couverture. La partie en gras parce que c'est vraiment un passage que j'aime bien. Dans ce manga semi-autobiographie, Soichi Tanazono nous raconte avec justesse la difficulté d'intégration à l'école. Une œuvre qui nous rappelle l'importance de l'art et de l'éducation. Donc c'est dans le genre société, éducation et quotidien. Donc ça va être l'une des vidéos sûrement les plus longues que j'ai fait sur ma chaîne parce que je pense que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Quoique ma vidéo sur la colère nucléaire était aussi pas mal parce que j'avais aussi beaucoup de choses à dire bien que je n'avais pas fini la série. Donc là le manga Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, m'a intéressée pour plusieurs points. Donc forcément cette fois-ci je vais un peu parler de ma vie privée, donc enfin de ma vie réelle à moi, de ma vie à moi et pas que de mon avis sur le manga. Donc le titre m'a intéressée et la couverture et le résumé m'ont intéressée déjà par la curiosité mais aussi beaucoup parce que en fait j'ai terminé mon collège à la maison parce que j'ai fait une phobie scolaire et j'ai surtout saturé de tout ce qui m'arrivait à l'école, sachant que j'ai eu aussi des problèmes avant d'entrer au collège avec ma famille qui me comparait avec une cousine qui est plus jeune que moi de 3 ans. Donc il y a eu au départ des comparaisons de bébé, puis de taille d'enfant et de résultats scolaires, etc. Donc ça encore, voilà, mais j'étais déjà suivie par des psys. Puis du coup au collège j'étais différent et c'est là que j'aime beaucoup ce manga parce que justement le personnage à un moment nous dit, et il le dit beaucoup, qu'il veut être normal par rapport aux autres camarades de classe.
Et moi, c'est vraiment aussi beaucoup de choses qui ont été en commun avec ce personnage. Le problème d'aller à l'école, donc du coup son homme en noir qui voit dans ses cauchemars. Le fait, parce que de toute façon, c'est dès les premières pages, donc je spoil pas grand-chose. Mais le gamin essaye d'aller à l'école, mais il a vraiment une difficulté déjà au niveau de quand il doit vraiment passer le seuil de la porte, donc quand il met les chaussures. Vu qu'au Japon, voilà, les chaussures sont à l'entrée. Le fait qu'après il bug au niveau du portail, le fait de passer le portail, mais de pas vraiment rentrer en classe, etc. Et voilà, donc déjà, ça m'a intéressé parce que tout simplement, je connaissais beaucoup de choses qui allaient être racontées dans cette histoire, même si je n'avais pas encore lu le bouquin. Mais voilà, ça m'a intéressé parce que je sentais déjà que j'allais avoir des points communs avec cette œuvre. Le fait que ça soit conseillé par Akira Toriyama, j'en ai strictement rien à foutre, je vais te le dire cash, hein, parce que tout simplement, Dragon Ball Z, ce n'est pas ma tasse de thé, je n'aime pas spécialement. Après, chacun ses goûts et les couleurs, ça on n'en discute pas, et ça c'est une phrase, une des expressions que j'aime le plus, c'est que c'est vrai. Donc voilà, donc moi personnellement je ne suis pas fan de Toriyama, donc rien à foutre. Mais par contre, ce qui m'a surpris, c'est au tout début le pavé. Parce que quand j'ai vu qu'il y avait plus de 300 pages, je me suis dit, est-ce que tu vas finalement arriver à le lire? Parce que, en fait, le fait que ça soit gros au niveau du livre, vu que c'est un manga, moi j'ai déjà expliqué, il y a quand même la flemme de lire et tout ça, donc je savais pas trop si j'allais y arriver. Donc je l'ai lu quand même en 3 jours. Donc ça a été plutôt long pour un manga, parce que d'habitude, les 180 pages habituelles, j'ai lu en une matinée. Là, voilà, ça m'a pris un peu. Bien 3 bonnes journées pour le lire parce que en même temps je souffrais pour le personnage parce que je connaissais sa souffrance. Donc j'avais besoin vraiment de faire des pauses, de souffler, d'encaisser en fait la souffrance du personnage parce que je la connais tout simplement. Voilà, donc par contre c'est un manga très très beau, magnifique, c'est un coup de cœur, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de ce que j'ai pu lire. Il fait même partie. Alors, j'ai regardé vite fait sur le site Manga Sanctuary où je le liste mes achats manga, etc. J'ai acheté plus de 270 séries et j'en ai lu en fait 270 parce qu'après j'ai enlevé les séries qui étaient incomplètes et donc que je n'ai pas encore lues. Mais j'ai lu à peu près 270 séries en manga. Je parle pas des animes. Et il fait partie de mon top 5 au niveau des coups de cœur dans tout ce que j'ai pu lire. Il fait partie vraiment de mon top 5. C'est une tuerie. Et donc, comme je voulais le dire tout à l'heure en début de vidéo, mais en fait, je me suis dit qu'il valait mieux le laisser quand même en suspense pour la suite de la vidéo. Et donc, cette partie-là. Désolée, j'ai fourmi dans le pied. Tout simplement, personnellement, après avoir lu entièrement le manga, je trouve que c'est un manga peut-être qu'il faudrait offrir. Alors, on va dire que le ministre de l'Éducation. Enfin voilà, quelqu'un de très très haut placé devrait l'offrir à tous les instituts et à tous les professeurs qui existent en France ou même sur Terre. Pourquoi? Tout simplement parce que moi qui ai vécu vraiment beaucoup beaucoup de choses par rapport au collège, par rapport à mes années au collège, j'ai vécu beaucoup de souffrances, beaucoup de lynchage, de harcèlement, de maltraitance. Même si c'est pas aussi hard, hein. Clairement, mon vécu scolaire a été plus hard. Lui, il a pas trop été à l'école, hein. Mais il y a des erreurs que font les professeurs, les instits, on va dire. Voilà. Il y a des erreurs que finalement, si tu lis cette œuvre en tant qu'instit, je pense que du coup, vu que tu les as déjà lues, tu sais que c'est une erreur et tu vas pas les faire dans la vie réelle, si tu vois ce que je sous-entends. Et je trouve franchement que c'est un manga qui devrait tout faire à tous les instituts. Donc moi personnellement je te dirais même que mon manga, quand j'ai lu le résumé et que mon père a vu mon visage en lisant ce manga, parce que voilà, il est à retraite, donc en fait on est face à face au niveau des fauteuils et tout ça quand je lis. Et quand il a vu mon visage, il a carrément eu envie de lire un manga. Ça fait depuis 2007 peut-être que je lis des mangas. J'en lis un par jour quasiment sauf les dimanches.
J'ai beaucoup souvent évoqué les résumés, expliqué à mes parents l'histoire du moment que j'étais en train de lire et tout et tout. C'est le seul manga qui a été, pour lequel il a été intéressé. Alors, il aurait pu s'aimer si ça avait été un livre avec des lignes, voilà, avec du texte. Moi, j'aime pas ça. Mais apparemment, il a quand même envie de lire. Et je crois que en en parlant avec ma mère, vu qu'elle est institutrice en maternelle, bah, même si je lui ai dit les erreurs que faisaient les professeurs en expliquant ce que je lisais, je pense quand même qu'elle aussi, elle va le lire parce que justement, je lui ai dit mon ressenti. Et je trouve que franchement, tous les instits devraient le lire. Voilà, c'est tout. Gros coup de cœur, ça je le redis encore, mais vraiment un gros gros coup de cœur. Merci les éditions Akata du coup de l'avoir publié parce que je sais que les éditions Akata regardent mes vidéos donc je tiens à le placer. Merci en tout cas d'avoir présenté ce livre. Par contre, si vous sortez d'autres mangas de cet auteur, moi je fonce direct, je fonce les yeux fermés parce que ça m'a plu, ça a un gros coup de cœur. Je le redis, top 5 de tous les coups de cœur que j'ai pu avoir de toute ma vie, il fait partie du top 5. Voilà, donc ça c'est clair et net. Et du coup, l'auteur m'a convaincue et je foncerai les yeux fermés en lisant ses œuvres. Peut-être que ses vraies histoires qui vont parler d'autre chose que sa propre vie vont me décevoir. Peut-être bien, ça se pourrait. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, moi j'ai envie de croire en cet auteur, j'ai envie de lui faire confiance. Donc voilà, donc les éditions Akata, si vous passez par là, sachez que moi en tout cas, je suis acheteur pour Soichi Tanazono. Voilà. Donc j'espère que cette grande vidéo, parce que je peux pas dire petite pour une fois, t'aura plu, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je te retrouve au moins 3 fois minimum avant le mois d'août pour te présenter d'autres mangas des éditions Akata. Sur ce, bye bye!